Les participants vont embarquer sur notre navire pour notre voyage, un navire sur lequel nous, les enseignants, nous sommes l'équipage et eux, les voyageurs. Mais ça ne va pas être des voyageurs consommateurs qui vont passer leur temps sur le pont allongé dans un hamac à prendre le soleil. Non, ils vont travailler et ils s'embarquent avec leur entreprise. Et je prends l'image de quelqu'un qui s'embarque sur notre navire avec un sac. Et lorsque nous arriverons au port au bout de 9 modules, eh bien, le passager aura beaucoup évolué et le contenu de son sac aussi. Ce programme a été co-construit entre HEC et la FEDESAP. Il s'agit d'une collaboration au long cours. Donc, à intervalles réguliers, nous nous rencontrons pour faire le point, pour faire évoluer les choses d'année en année, de manière à avoir un programme qui soit construit sur mesure pour suivre les différentes évolutions du secteur, les différentes évolutions des modèles économiques et les différentes évolutions des individus qui y participent. Aujourd'hui, notre activité a besoin donc de se professionnaliser et qu'il est important que ça passe par la formation des dirigeants et que cette formation-là, en fait, elle va leur permettre de grandir professionnellement et personnellement et leur donner encore envie d'innover et de trouver de nouvelles idées pour aller de l'avant. J'ai découvert un autre univers, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute. J'ai appris énormément sur moi, également sur le métier de dirigeant. Et je conseille vivement à tous les dirigeants ou responsables du secteur d'entreprendre ce chemin, parce que c'est un véritable chemin qui fait grandir, qui va permettre de faire grandir son entreprise, de faire grandir le secteur et surtout de mieux se connaître soi-même, carrément. Il reste en fait beaucoup de choses que j'essaierai de qualifier en trois mots. D'abord, rencontres, partage, échange. Voilà. Des rencontres humaines, parce que ça compte beaucoup. Des rencontres professionnelles, dont chacun s'est enrichi, parmi les stagiaires de la promotion. Et puis, du partage qui se poursuit bien au-delà de la fin de la session.